Salut, c'est Cyril, on est au Chennai. On a rendez-vous avec Aozaka Sensei, le maître du Shorinji Kenpo, et il va nous donner un cours tout de suite. On y va. Alors aujourd'hui, on va faire un cours avec vous. Oui. J'ai beaucoup entendu parler de vos techniques. Ah, oui. Ok, c'est bon. Somenni. Hey. Nore. Comme ça, pas beaucoup mal. Mais broc, beaucoup mal. Voilà. Doucement, hein, cassant. Oh. Et que l'attaque. Faible point, gros coco, il existe. Ça veut dire ça, faible point ici. Hein? Voilà. Je sens qu'il va me faire mal. Je sais pas pourquoi. Attaque, c'était. Je sens qu'il va me faire mal. Oh, c'était. Oh. C'est bon. Difficile, non? Mais il est assez voilà, possible. Ah oui. Comprends? D'accord. C'est force, hein? Force, force, marche pas. Mais regardez, lâchez, quoi. Voilà. Et maintenant, quoi, c'est accessoire, bonjour, tout ça. Après, bloc, c'était quoi? Oh! Doigt. Et puis les yeux aussi. Les yeux. Si les yeux. Tout ça. Pan, fini. Doigt, pas. Ça toujours faible point, regarde. Même au grand piasson, moi, comme ça, toujours faible point, regarde. Le Shorinji Kenpo, c'est aussi du self-défense. On n'est pas seulement sur l'aspect art martial et sport de combat. Ouais. On est aussi beaucoup sur le self-défense. Moi, coupé comme ça. Pardon. Non, c'est bon, c'est bon. Jamais coupé ça. C'est bon. Coupé ça. Ouais. Si, comme ça, jamais mal. Parce que lui, il est costaud. Donc comme ça copier inutile, c'est pour ça copier comme ça. Voilà, pas plexus. Comme ça fausse là, hein, existe fausse. Mais comme ça pas faux, pas du tout faux. Voilà, c'est pas un faux. Kano Jigoro, lui c'est meilleure technique, il s'appelle Sumiotoshi. Sumiotoshi? Kuki nage, il s'appelle. Montrez-nous. Oui, coucouste. Aïe. Bougez, coucouste, cou. C'est équilibre technique. Quand je vous dis Kenpo, on a la logique du judo en fait, oui. Sur l'action-réaction oui. Et utiliser la force de l'adversaire. Les techniques de judo sont les mêmes déséquilibres qu'au judo. Tapez besoin. Un petit peu entraînement encore. Maintenant fini, maintenant philosophie. Gon costaud un homme, faible. Pourquoi ai-je besoin? Parce que votre ami protégé, votre famille protégé, et puis soi-même aussi, défense besoin. Partenaire costaud, soi-même peut-être petit, quel système self-defense? Besoin de beaucoup de solutions, besoin de chercher. Par exemple, les yeux attaquent. Par exemple, hein? Faible point chercher besoin. Hein? Gagner, pas besoin, mais besoin de minimum self-defense. Vous êtes un homme, fierté existe. Si perdu, fierté cassé. Si seulement self-defense, partenaire aussi, pas beaucoup blessé, soi-même pas blessé. Je pense, fierté aussi, regardez, fierté possible. Vous partenaire complètement cassé, lui, fierté cassé. Attention, hein, c'est pas fini, encore vivant. Si vous êtes complètement gagné, je pense présent.
besoin de gyo, force, un homme, faible, protégé. Après respect, partenaire respect. Bon, par exemple, hein, quelqu'un costaud existe? Allez, saute. Voilà. Ça va, ça va. Costaud, faible, protégé, après respect, allez, respect. C'est gyo. Le Japon, c'est assez méconnu pour la plupart des Français. Vous êtes un des meilleurs représentants qu'on peut avoir en France. Donc vous nous apprenez des choses, notamment que le Shōgi Kenpo, c'est une fédération qui est très forte au Japon. 1 500 000 pratiquants de, oui, oui. De Shōgi Kenpo. Oui, 2 millions par an de licenciés. De licenciés. Oui, mondial. Hein. Mondial, d'accord. Oui. Et au Japon, il y en mais, a combien? Mais Japon, je ne sais pas exactement. Beaucoup. Mais 3000 clubs. 3000 clubs. Ouais. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Pourquoi? Shōrinji Kenpo, pas beaucoup de publicité. Antalya kickboxing, Antalya K1, tout ça, beaucoup d'avant, deuxième dan, troisième dan, Shōrinji Kenpo. Parce que très connu star japonais, c'est beaucoup de gens base Shōrinji Kenpo. C'est bon. Et donc, ce que vous nous disiez, c'est qu'aussi, il y avait des anciens pratiquants de Shōrinji Kenpo qui s'étaient reconvertis, bon, qui sont devenus professionnels, donc ont dû quitter la branche Shōrinji Kenpo. Vous pouvez nous les citer déjà? C'est qui ces anciens pratiquants? Mais secret, hein. Secret. C'est très connu. Ce serait une exclusivité. Alors donnez-nous un petit peu des informations. Oui, je pense. Hein. Mais comme ça, parole, c'est mieux. Oui. C'est pas sûr, mais Monsieur Kadota aussi, avant Shōrinji Kenpo. Des enfants. Musashi aussi. Avant Shōrinji Kenpo, au départ. Et puis, deuxième dan, par la Change, Seido Kaika. Cet groupe, bien enseigné, c'est tout ça, bien connaître. Mm-hmm. Moi, 67 ans. J'ai regardé un petit peu votre biographie, j'ai vu que vous étiez un descendant d'un samouraï, c'est ça? Oui. Vous avez une épée? L'armure, vous avez tout? Oui. C'est par rapport à ça, ce que vous disiez tout à l'heure, la philosophie du samouraï, vous l'appliquez aussi dans votre art martial en fait. C'est pas chercher bagarre, voilà. C'est pas chercher compétition, tranquillement, chercher de la paix, c'est tout ça comme ça, entraînement. Au niveau du judo, du jiu-jitsu, vous avez dû travailler au sol, c'est quelque chose qui est très à la mode, notamment au Japon, oui. Avec les compétitions, vous avez dû voir le combat libre. Mon époque, catégorie n'existe pas, c'est tout ça, problème, parce que... Judo, deuxième dame, mes partenaires, 100 kg, 120 kg arrivés, marche pas. Shōrinji Kenpo marche. Même partenaire, 120 kg, mais marche. C'est pour ça Shōrinji Kenpo. Si judo c'est fait, je pense, 120 kg, 60 kg, sûrement perdre. Kaze. Ippon, wazari, c'est tout. C'est ce côté sportif, c'est le côté oui, qui dénature en fait. Et puis, match nul, encore c'est fait. Match nul, encore c'est fait. Cette époque. Mais maintenant, besoin de quelques minutes. La roulette, ouais. Gagner besoin.